comme toi, ô Éternel. Magnifique en sainteté, digne de louange et opérant des prodiges. Personne, tu es le seul, l'unique, le véritable Dieu, le roi majestueux, le glorieux. Ah, nous désirons ta kavod, nous désirons ta gloire, la nuée de gloire sur nos vies. Nous désirons ta gloire comme Moïse.
Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Shalom, famille TPS, soyez bénis ce matin. Dites-moi si vous m'entendez, si le son est bon, si l'image est bonne. Shalom, shalom, shalom. Faites-moi signe si vous m'entendez, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Jésus, merci Jésus. Partageons la vidéo, partageons, partageons la prière. Nous allons commencer notre prière maintenant. Nous allons commencer notre prière ce matin. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ok, ok. Ok, merci Seigneur. Alors partage la vidéo, invite quelqu'un à se connecter à la prière de ce matin. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu.
Ok. Gloire à Dieu, je veux prier le Seigneur et nous allons commencer notre prière de ce matin. Merci Jésus. Alléluia. Ô Seigneur, nous te bénissons ce matin. Merci pour ta faveur, merci pour ta grâce. Merci de nous avoir gardés et protégés alors que nous étions en train de dormir. Merci de nous avoir attirés à toi ce matin afin que nous puissions encore nous approcher du trône de ta grâce avec assurance, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce à tes yeux ce matin pour être secourus dans nos besoins. Nous te disons merci Seigneur, merci pour ta main de protection sur nos vies. Merci Seigneur car c'est toi qui nous a réveillés ce matin. Ce n'est pas le réveil qui nous a réveillés ce matin, mais c'est ta grâce qui nous a réveillés ce matin. C'est ta bonté qui nous a réveillés ce matin. C'est ton amour qui nous a réveillés ce matin. C'est ta fidélité qui nous a réveillés ce matin. Alors nous te disons merci. Alors nous te disons Seigneur, reçois la gloire. Nous te disons Seigneur, reçois la louange, reçois l'honneur ce matin. Nous voulons encore Seigneur nous approcher devant le trône de ta grâce. Seigneur, que tu nous fasses encore du bien ce matin et que le Saint-Esprit nous environne encore ce matin. Que le Saint-Esprit nous remplisse encore ce matin. Que le Saint-Esprit puisse encore nous visiter ce matin. Que le Saint-Esprit nous fasse encore du bien ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, prends le contrôle de ce temps de prière, Saint-Esprit, car c'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par toi, Saint-Esprit, que tu règnes encore ce matin dans le nom de Jésus. Et que tu prennes la place qui t'est due dans les cœurs, que tu prennes la place qui t'est due dans les vies, que tu prennes la place qui t'est due, Saint-Esprit, dans nos maisons encore ce matin. Que tu prennes la place qui t'est due en cette journée, dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors ce matin, nous voulons prier. Merci d'aimer la vidéo, s'il vous plaît. Aimons la vidéo, comme ça c'est fait. Voilà. Aimons la vidéo. Ok. Gloire à Dieu. Aimons la vidéo. Excusez-moi, je vérifie quelque chose. Ce matin, nous voulons prier pour la visitation divine. Alors que nous sommes dans le mois de la visitation divine, nous allons encore prier ce matin, intercéder ce matin, que nous puissions recevoir la visitation divine. Alléluia. Que dans ta journée, le Seigneur puisse te visiter. Que dans ta journée, tu puisses recevoir la visitation des cieux. Que dans ta journée, tu puisses recevoir l'intervention divine des cieux. Que dans ta journée, tu sois visité. Alléluia. Que tu sois visité dans ta journée. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors nous allons lire la parole de Dieu dans le psaume 65 à partir du verset 9 ou encore je pense selon les versions, ça peut être le verset 10. Psaume 65, excusez-moi, voilà, je prends la Bible. Psaume 65. Voilà. Nous ouvrons le psaume 65. À partir du verset 10. Voilà. Psaume 65 à partir du verset 10. La Bible déclare ceci. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi. Gloire à Dieu. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Est-ce qu'on peut écrire cela? Le verset 10, est-ce qu'on peut l'écrire à l'écran? Du psaume 65. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Et David continue, tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau.
tu prépares le blé, quand tu la fertilises ainsi. Alléluia, gloire à Dieu. David est en train de célébrer Dieu. Alléluia. David est en train de célébrer Dieu avec confiance. David est en train de louer Dieu pour ses œuvres, pour les œuvres qu'il accomplit. Quand on lit au début du psaume 61, vous allez voir, avec confiance, ô Dieu, on te louera dans Sion et l'on accomplira les vœux qu'on t'a fait. Donc c'est un psaume de confiance. Et quand vous poursuivez la lecture au verset 3, de toujours du psaume 65, vous allez voir que il dit ceci: oh, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Oh, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Gloire à Dieu. Bien-aimé, Dieu écoute la prière et tous les hommes viennent à lui. Alléluia. Il exauce les prières et tous les hommes viennent à lui. C'est pour cela, ce matin, tu dois croire que Dieu est celui qui écoute ta prière. Quand tu rentres dans la prière, tu dois rentrer avec confiance, tu dois rentrer avec foi, tu dois te connecter dans la prière avec un esprit de foi, un esprit de gratitude, un esprit de confiance, sachant que Dieu écoute la prière. Alléluia. Et c'est pour cela que tu viens à lui. Oh, toi qui écoutes la prière, verset 3, tous les hommes viendront à toi. Nous reprenons notre verset 10. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Bien-aimé, David dit que quand Dieu visite la terre, il ramène l'abondance à la terre. Alors ce matin, j'aimerais tout simplement attirer ton attention sur quelque chose. Si Dieu, en visitant la terre, il apporte l'abondance, si Dieu, en visitant la terre, il lui donne l'abondance, il comble la terre de sa richesse, alors à combien plus forte raison quand Dieu te visite? Alléluia! À combien plus forte raison quand Dieu nous visite, nous qui sommes ses enfants? À combien plus forte raison quand Dieu nous visite, nous qui sommes ses créatures? À combien plus forte raison quand Dieu nous visite, nous qui sommes appelés enfants de Dieu? Toi qui es le temple du Saint-Esprit, quand Dieu te visite, il ne vient pas pour rien. Quand il te visite, il t'apporte quelque chose. Si en visitant la terre, Dieu apporte l'abondance, alors en te visitant, bien-aimé, il apporte aussi l'abondance. Alléluia. Il apporte l'abondance parce que toi, tu vaux plus que la terre. Parce que toi, tu es créé à l'image de Dieu. Alléluia. Parce que toi, tu es enfant de Dieu. Quand Dieu te visite, il emmène l'abondance. Quand Dieu te visite, il emmène la restauration. Quand Dieu te visite, bien-aimé, il emmène la guérison. Quand Dieu te visite, il emmène toujours quelque chose. C'est pour cela, bien-aimé, sois dans la joie et sois privilégié du fait que tu rentres dans la prière. Parce que tu visites Dieu dans la prière. Alléluia. Plutôt Dieu te visite dans la prière. Tu invites, voilà le mot. Tu invites Dieu dans la prière. Tu invites Dieu dans la prière. En fait, quand tu pries, tu invites Dieu à s'intéresser, à interagir dans ta vie. Quand nous prions, bien-aimé, nous disons tout simplement à Dieu de venir. Quand nous prions, nous demandons la présence de Dieu de venir et d'intervenir dans nos vies. Alors quand Dieu vient et qu'il intervient dans nos vies, bien-aimé, il emmène toujours quelque chose. C'est pour cela, ne pense jamais que les temps de prière que tu passes sont des temps de prière stériles. Non. Ne pense jamais que le temps que tu passes dans la prière devant Dieu, c'est stérile. Vous savez, des fois, il y a des gens qui disent: oh, j'ai prié, mais je n'ai rien vu de spécial. J'aimerais te donner une bonne nouvelle ce matin. La bonne nouvelle que j'aimerais te donner ce matin est que à chaque fois que tu rencontres Dieu dans la prière, Dieu emmène toujours quelque chose pour toi. Alléluia. À chaque fois que tu rencontres Dieu dans la prière, Dieu fait toujours quelque chose pour toi. À chaque fois que tu rencontres Dieu dans la prière, Dieu restaure quelque chose dans ta vie. Alléluia. Comme je disais dimanche, bien-aimé, l'une des choses que Dieu poursuit dans ta vie, c'est ton cœur. L'une des choses que Dieu poursuit, quand Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, quand Dieu veut restaurer ta vie, quand Dieu veut ramener l'abondance dans ta vie, quand Dieu veut ramener la bénédiction dans ta vie, quand Dieu veut faire n'importe quelle chose dans ta vie, il poursuit d'abord ton cœur. Alléluia. Il poursuit d'abord ton cœur.
Vous savez, des fois, tu peux être dans la prière, être dans la méditation, être en train de méditer la parole. Tu sens que le verset que tu as lu a touché ton cœur. Tu sens que le verset que tu viens de lire est un verset qui a pointé directement l'intérieur de ton cœur, qui a pointé directement ta vie, qui a pointé directement ton caractère, qui a pointé qui tu es. C'est un langage spirituel. C'est une manière de dire, c'est une manière où Dieu te dit, je te visite, maintenant change ton cœur. Je te visite, maintenant décide de te consacrer. Je te visite, maintenant décide de changer. Alléluia. Quand Dieu te visite, il emmène l'abondance. Il emmène la restauration, il emmène le changement, il emmène la transformation. Et chaque jour que nous sommes devant le trône de Dieu, dans la prière, il nous visite. Alléluia, il nous visite. Le fait que tu es connecté ce matin dans la prière, tu as tout simplement dit à Dieu, Seigneur, interviens dans ma vie. C'est une façon de dire à Dieu, Père, que ton règne vienne dans ma destinée, que ton règne vienne dans ma vie, que ton règne vienne dans mes problèmes, que ton règne vienne dans mes difficultés, que ton règne vienne dans mon bonheur, que ton règne vienne. Tu invites Dieu, bien-aimé, à venir ramener l'ordre divin dans ta vie. Tu invites Dieu à interagir dans ta vie. Tu invites Dieu à ramener de l'abondance, à ramener la restauration. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Quand Dieu te visite, bien-aimé, il t'emmène l'abondance. Il te comble de ses richesses. Alors, bien-aimé, les richesses ou encore la richesse de Dieu n'est pas la richesse selon le monde. Alléluia. La richesse de Dieu n'est pas la richesse selon le monde. Peut-être qu'avec les yeux humains, quand on parle de la richesse, toi, tu vas voir l'argent. Toi, tu vois peut-être l'argent, la prospérité, toutes ces choses. C'est bien, mais avant la prospérité physique, Dieu fait d'abord prospérer ton âme. Il va te ramener l'abondance. Et cette abondance commence d'abord dans ton âme. Cette abondance commence d'abord dans ton âme. Je dis bien, cette abondance commence d'abord dans ton âme. Quand ton âme est restaurée, quand ton âme reçoit la pluie de l'abondance, alors cette pluie va commencer à se manifester dans les autres domaines de ta vie. En fait, c'est comme si le fleuve de l'abondance, le fleuve de la restauration, le fleuve de la grâce, le fleuve de la faveur commence d'abord dans ton âme. Alléluia. Ça commence d'abord dans ton âme. Ça commence dans ton âme. C'est pour cela, bien-aimé, le Seigneur Jésus dit ceci, à quoi que sert-il à un homme de gagner tout ce monde s'il perd son âme? Que sert-il à un homme de gagner tout ce monde s'il perd son âme? En d'autres termes, ton âme est la chose la plus importante que tu as en toi, l'âme. Tu peux avoir toutes les richesses de ce monde, tu peux avoir tout l'argent de ce monde, tu peux avoir toutes les relations de ce monde, tu peux avoir tout, mais si tu perds ton âme, tu n'es rien. Alléluia, c'est pour cela Dieu poursuit d'abord l'âme, il poursuit d'abord ton cœur, il poursuit d'abord ton intérieur, que ton intérieur puisse déterminer ton extérieur. C'est l'intérieur qui détermine l'extérieur. C'est la position de l'âme qui va déterminer la position de ta vie. Alléluia, c'est la richesse de l'âme qui va déterminer la richesse, ta richesse physique. C'est pour cela que Jean, quand il écrit, il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. En d'autres termes, ta prospérité doit dépendre de l'intérieur. Donc, quand Dieu te visite, quand Dieu nous visite, bien-aimé, à chaque fois que nous prions, le règne de Dieu vient, il poursuit d'abord l'intérieur. Il doit d'abord déraciner les colères, il doit déraciner le péché, il doit déraciner l'amertume, il doit déraciner le découragement, il doit déraciner, bien-aimé, les mauvaises pensées, il doit déraciner tout ce qui peut bloquer, son règne dans ton cœur, tout ce qui peut bloquer, bien-aimé, à ce que Dieu puisse te conduire. Tout cela doit être déraciné. Ensuite, ça va déterminer tout le reste. Alléluia. Nous sommes dans le psaume 64 à partir du verset 10 pour ceux qui viennent d'arriver. Tu visites la terre. Alléluia.
tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Alors si tu pouvais prendre ce verset et le dire pour toi, tu dirais, tu me visites au Père et tu me donnes l'abondance. Quand il te visite, il te donne l'abondance. Tu la combles de richesses. Alléluia. Quand Dieu te visite, il te comble de richesses. Et je dis encore une fois, cette richesse est d'abord spirituelle. C'est la richesse spirituelle qui détermine la richesse physique. Alléluia. Quand il te visite, il te comble de richesses spirituelles. Il te comble de richesses. Il comble ton cœur de richesses. Il comble tes pensées de richesses. Il comble ton âme de richesses. Et ça va déterminer l'extérieur. Bien-aimé, n'oublie pas, l'une des choses les plus importantes que Dieu t'a données, c'est ton âme. Alors ne perds pas ton âme à cause du péché. Ne perds pas ton âme, bien-aimé, à cause des plaisirs de la vie. Ne perds pas ton âme à cause des acclamations des hommes. Ne perds pas ton âme à cause de l'orgueil humain. Ne perds pas de l'orgueil humain plutôt. Ne perds pas ton âme à cause, bien-aimé, de ce que les hommes peuvent te donner. Non, tu dois poursuivre, bien-aimé, la restauration de ton âme, que ton âme soit restaurée. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu te visite. Là encore ce matin, Dieu te visite. Et la première chose qu'il va poursuivre, c'est d'abord ton âme. Qu'il puisse te visiter et que ton âme soit encore restaurée. Qu'il puisse te visiter et que ton âme soit encore transformée. Qu'il puisse te visiter et que ta vie soit encore transformée. Qu'il puisse te visiter et que ta santé, bien-aimée, soit encore transformée. Qu'il puisse te visiter et que tu puisses encore recevoir l'abondance. L'abondance, bien-aimée, dans tous les niveaux de ton être. L'abondance dans ton esprit, l'abondance dans ton âme, l'abondance dans ton corps. Alléluia. L'abondance dans ton corps. Quand ton âme est remplie de l'abondance de Dieu, alors ton corps l'exprime. Est-ce que tu peux écrire avec moi? Si l'âme est remplie de l'abondance de Dieu, le corps l'exprime. Si l'âme est remplie de l'abondance de Dieu, le corps l'exprime. Alléluia. Quand l'intérieur est rempli de l'abondance de Dieu, l'extérieur l'exprime. L'extérieur sera tout simplement l'expression de l'abondance de Dieu dans ton cœur. Quand ton âme bien-aimée est remplie de l'amour de Dieu, quand ton cœur est rempli de l'amour de Dieu, l'extérieur va exprimer cet amour. Alléluia. Quand ton intérieur est rempli de la fidélité, l'extérieur va exprimer la fidélité. Quand ton cœur, ton âme est rempli de la faveur, l'extérieur va exprimer cette faveur. Tout commence à l'intérieur. Tout commence, bien-aimé, à l'intérieur, dans la chambre secrète de ton âme, dans la chambre secrète, bien-aimé, de ton cœur. Ton cœur, Dieu poursuit ton cœur. Alléluia. C'est pour cela, une personne qui n'a pas un cœur transformé ne peut pas exprimer extérieurement le pardon, ne peut pas exprimer extérieurement l'amour, il ne peut pas exprimer extérieurement la joie, il ne peut pas exprimer extérieurement la paix. Tout ce que Dieu nous donne est d'abord intérieur. Alors qu'il puisse nous visiter en cette journée. Qu'il puisse nous visiter en cette journée. Qu'il nous fasse du bien en cette journée. Je prie que Dieu te visite ce matin. Je prie que Dieu te visite en cette journée. Je prie que Dieu te visite encore alors que tu es devant le trône de sa grâce, devant le trône de sa faveur, devant le trône de sa majesté. Qu'il puisse te visiter. Alors que tu invites sa présence, alors que tu invites son règne dans ta vie, alors que tu invites Dieu à s'initier dans tes problèmes, à s'initier dans ta situation, à venir intervenir dans ta vie, alors qu'il puisse transformer ton intérieur, qu'il puisse transformer ta vie dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Nous allons prier le Seigneur ce matin. Nous allons prier le Seigneur ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci pour ta visitation ce matin. Merci pour ta visitation ce matin. Merci pour ta visitation ce matin. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu vas remercier le Père ce matin. Tu vas dire au Père ce matin, tu vas dire, tendre Père, je te dis merci ce matin. Merci pour ce jour et merci pour le don de la vie que tu m'accordes encore ce matin. Merci pour le don de la vie que tu accordes à mes enfants ce matin. Merci pour le don de la vie
que tu accordes à ma famille ce matin. Merci pour le don de la vie que tu accordes encore, Seigneur, à mes frères, à mes sœurs ce matin, dans le nom de Jésus. Commence à prier avec moi. Dis merci au Père ce matin pour sa grâce. Reconnais que le fait que tu sois debout ce matin est un don venant de lui. Reconnais que le fait que tu sois debout, bien-aimé, tu es en train de dormir comme un mort. Nous avons dormi comme des morts. Alléluia, nous avons dormi, nous nous sommes oubliés. Nous étions dans le monde des esprits, nous étions dans le monde des rêves, nous étions dans le monde des songes. Tu as oublié, tu t'es oublié. C'est en te réveillant que tu as su encore, oui, je suis encore vivant. Bien-aimé, c'est une grâce. Commence à dire merci au Père ce matin. Tendre Père, nous te disons merci ce matin. Nous décidons encore de nous lever, Seigneur, de devancer l'aurore. Avant que le soleil ne sorte, Seigneur, avant que le soleil ne brille, nous décidons de te célébrer ce matin. Nous décidons de reconnaître ta grâce dans nos vies. Nous décidons de reconnaître ton amour dans nos vies. Reçois la gloire, reçois la louange, reçois la magnificence. Seigneur, nous te disons merci pour ce jour et merci pour le don de la vie dans nos vies. Merci pour le don de la vie dans nos cœurs. Merci pour le don de la vie dans nos âmes. Merci pour le don de la vie, Seigneur, ô Dieu, dans nos esprits. Reçois la gloire encore ce matin. Reçois l'honneur, car tu mérites l'honneur, Seigneur. Reçois la célébration, car tu mérites la célébration, Seigneur, dans nos vies. Reçois la magnificence. Nous te bénissons, nous te louons et nous reconnaissons, Seigneur, que c'est ta grâce qui nous a encore donné la vie ce matin. C'est ta grâce qui nous a encore réveillés ce matin. C'est ton amour qui nous a encore réveillés ce matin. Reçois la gloire et la louange dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Bien-aimés, alors que nous sommes devant le trône de Dieu, nous voulons encore demander pardon. Oui, nous voulons encore nous repentir devant lui. Il dit dans sa parole, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Oui, le Seigneur veut que nous puissions nous détourner de nos mauvaises voies. Pour nous détourner de nos mauvaises voies, bien-aimés, tout commence par l'intérieur. Tout commence par l'âme, tout commence par l'esprit, tout commence, bien aimé, par les pensées intérieures. Alors nous voulons demander pardon à Dieu et décider encore ce matin de nous détourner de nos mauvaises voies. Prie le Seigneur, commence à demander pardon ce matin. Demande pardon, peut-être que quand tu as dormi hier soir, tu as dormi avec la colère. Peut-être que quand tu as dormi hier soir, tu as dormi, tu étais fâché, tu as dormi, tu étais amer. Tu as dormi, tu avais le ressentiment, tu as dormi avec la haine pour quelqu'un, alors demande pardon. Demande pardon à ton Dieu ce matin, afin que ta prière soit agréée et agréable devant lui. Tendre Père de gloire, nous venons encore devant toi ce matin, te demander pardon. Seigneur, alors que je me tiens devant le trône de ton pardon, je viens, Seigneur, reconnaître encore ma misère. Je viens reconnaître mon péché. Je viens reconnaître mon état. Je viens reconnaître, Seigneur, ma déstabilisation. Je viens reconnaître, Seigneur, ce matin, que le mal que je ne veux pas faire, c'est celui que je fais. Et le bien que je désire faire, je n'arrive pas à le faire. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne mes péchés ce matin. Pardonne les pensées de mon cœur ce matin. Pardonne les paroles de ma bouche ce matin. Pardonne-moi, Seigneur, et fais-moi grâce ce matin. Je te prie de me pardonner. Je te prie de me pardonner, Seigneur, pour mes pensées qui ne t'honorent pas. Je te prie de me pardonner, Seigneur, pour les paroles de ma bouche qui ne t'honorent pas. Je te prie de me pardonner, Seigneur, pour les pensées sombres que je peux avoir dans mon esprit. Je te demande pardon. Pardonne-moi tout péché, conscient et inconscient. Je décide encore ce matin de me détourner de mes mauvaises voies. Je décide encore ce matin de me détourner, Seigneur, de mes mauvaises voies. Je te demande pardon ce matin. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne mon péché. Pardonne mes péchés. Pardonne les péchés, Seigneur, ô Dieu, de mon époux. Pardonne les péchés de mon épouse. Pardonne les péchés de mes enfants. Pardonne les péchés, Seigneur, de tous ceux qui habitent sous mon toit. Pardonne les péchés, Seigneur, Dieu de gloire, de ma famille. Pardonne les péchés de mon foyer. Pardonne, Seigneur, et fais-nous grâce ce matin dans le nom de Jésus. Fais-nous grâce ce matin. Ce matin encore, Seigneur, nous voulons ta grâce. Car, Seigneur, quand tu fais grâce à une personne, tu fais vraiment grâce. Alors, je te prie de nous pardonner encore. De nous pardonner, car nous voulons ta visitation divine. Car nous voulons, Seigneur, que tu puisses encore nous visiter. Nous voulons t'en toucher ce matin. Nous voulons ta restauration ce matin. Nous voulons, Seigneur, ta transformation dans nos vies ce matin. Reçois la gloire, reçois la louange. Merci pour le pardon. Merci pour ta grâce dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu vas encore prier ce matin.
alors que tu es devant le trône de Dieu. Bien-aimé, tu vas prier, tu vas invoquer le sang de Jésus. La Bible déclare, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Tu as besoin du sang de Jésus. Le sang de Jésus défend ta cause. Le sang de Jésus fait fuir Satan. Le sang de Jésus, bien-aimé, fait pleurer les sorciers. Le sang de Jésus fait avorter les plans de l'ennemi contre toi. Le sang de Jésus. Alors tu vas invoquer le sang de Jésus ce matin. Tu vas dire ce matin, « Oh Seigneur, lave-moi par ton sang ce matin. Seigneur, purifie-moi par ton sang ce matin. Ce matin, purifie tout mon être entier. » Purifie mon cœur, purifie mon âme, purifie mon esprit, purifie mon corps, purifie-moi par ton sang précieux. Et que toute semence que tu n'as pas plantée dans ma vie cette nuit soit déracinée ce matin par ton sang précieux. Tout ce que tu n'as pas planté, que cela soit déraciné ce matin. Bien-aimé, invoque le sang de Jésus à te purifier, à purifier tes enfants, à purifier ta famille, à purifier ta maison ce matin. Et que toute plante que le Père n'a pas plantée dans ta vie, que cela soit déraciné ce matin dans le nom de Jésus. Toute mauvaise plante qui a été plantée alors que tu es en train de dormir, que cela soit déraciné ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Que cela soit déraciné ce matin, maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Que cela soit déraciné ce matin. Que cela soit enlevé ce matin. Que cela soit, bien-aimé, arraché ce matin. Que cela soit brûlé par le feu de Dieu ce matin, dans le nom de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Le sang de Jésus fait fendre les démons. Le sang de Jésus fait fuir les sorciers. Le sang de Jésus fait fuir, bien-aimé, tous les agents des ténèbres. Le sang de Jésus anéantit la sorcellerie. Le sang de Jésus détruit les mauvaises semences qui ont été plantées contre toi. Alors invoque le sang de Jésus ce matin. Invoque le sang de Jésus ce matin. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Alléluia, au nom de Jésus. Invoque le sang de Jésus ce matin, dans le nom de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Oui, Seigneur, j'invoque ton sang ce matin. Que ton sang puisse encore me purifier. Que ton sang puisse encore me laver. Que ton sang puisse encore me nettoyer. Que ton sang ce matin, Seigneur, puisse purifier mon être entier. Purifier mon esprit. Purifier mon âme. Purifier mon corps, purifier tout ce que je suis, mes pensées, dans le nom de Jésus. Seigneur, ce matin, je viens plonger ma vie dans le sang de Jésus. Ce matin, je viens plonger la vie de mes enfants dans le sang de Jésus. Ce matin, je viens plonger la vie de mon époux dans le sang de Jésus. Ce matin, je viens plonger la vie de la tour de prière sonore dans le sang de Jésus. Ce matin, je viens plonger la vie de mon frère et de ma soeur dans ton sang précieux. Ce matin, je viens plonger la vie de tout celui qui vit sous mon toit dans le sang de l'agneau. Ce matin, je viens planter, Seigneur, toutes mes possessions dans le sang de l'agneau. Ce matin, je viens plonger, Seigneur, tout ce que je suis dans le sang de l'agneau. Et que tu puisses, Seigneur, purifier. Que tu puisses purifier au nom puissant de Jésus. Que tu puisses purifier au nom de Jésus. Que tu puisses purifier au nom de Jésus. Alléluia. Que tu puisses purifier. Que tu puisses purifier. Que tu puisses purifier. Que tu puisses purifier ce matin. Purifie, Seigneur. Purifie-moi par ton sang précieux. Purifie ma maison par ton sang précieux. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Purifie-moi par ton sang précieux. Seigneur, que toute plante que tu n'as pas plantée dans ma maison, dans ma vie, dans mon esprit, dans mon âme, que cela soit déraciné. Dans mes pensées, que cela soit déraciné. Que toute mauvaise plante qui a été plantée dans nos rêves, dans les songes, Seigneur, soit déracinée ce matin dans le nom de Jésus. Que cela soit enlevé ce matin. Que cela soit détruit ce matin au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. J'invoque ton sang, Seigneur. J'invoque ton sang précieux dans ma vie. J'invoque ton sang précieux dans ma maison. J'invoque ton sang précieux dans ma famille. J'invoque ton sang précieux au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. 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 Alléluia. Bien-aimés, alors que nous sommes en train de prier pour la visitation divine, alors que nous sommes en train de soupirer après la visitation divine, tu vas prier ce matin et tu vas dire, cher Saint-Esprit, ce matin, que ton règne vienne encore dans mon cœur. Ce matin, que ton règne ramène encore l'ordre divin dans mon cœur, dans le nom de Jésus. Très cher Saint-Esprit, ce matin, que ton règne vienne dans mon cœur. Alléluia, que le règne du Saint-Esprit, le gouvernement du Saint-Esprit, l'autorité du Saint-Esprit, la domination du Saint-Esprit viennent encore dans ton cœur, viennent encore dans ta vie, viennent encore, bien-aimé, dans tes pensées. Que le Saint-Esprit puisse régner dans ta vie ce matin,
Oui, appelle le règne du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit puisse régner, bien-aimé, dans tout ce que tu vas faire. Que le Saint-Esprit puisse régner dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, dans le nom de Jésus. Commence à prier avec moi ce matin. Commence à prier avec moi ce matin. Très cher Saint-Esprit, ce matin, alors que je défense l'aurore, je te prie encore, très cher Saint-Esprit, que ton règne vienne dans mon cœur, que ton règne vienne dans mon âme, que ton règne vienne dans mes pensées, que ton règne vienne dans mon esprit, que ton règne gouverne ma vie ce matin, dans le nom de Jésus. Très cher Saint-Esprit, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne dans ma maison, que tu puisses ramener l'ordre divin, que je sois conduit par toi. Je refuse de me conduire moi-même. Très cher Saint-Esprit, oh, j'invite ton règne dans mon cœur, j'invite ton règne dans ma vie, bien-aimé. Invite la domination du Saint-Esprit dans ton cœur. Invite que le Saint-Esprit prenne le contrôle de tout ce que tu es. Qu'il prenne le contrôle de tes pensées. Qu'il prenne le contrôle de ton âme. Qu'il prenne le contrôle de ton esprit. Qu'il prenne le contrôle de ta vie. Demande au Saint-Esprit ce matin. Saint-Esprit, que ton règne vienne dans ma vie. Que ton règne vienne dans mon cœur. Que ton règne vienne dans mon foyer. Que ton règne vienne, alléluia, dans ma destinée. Très cher Saint-Esprit, ce matin, je désire encore ton règne. Je désire que tu contrôles ma vie. Je désire que tu contrôles mon âme. Je désire que tu contrôles mes pensées. Je désire que tu prennes le contrôle total de ma vie, dans le nom de Jésus. Très cher Saint-Esprit, l'esprit de grâce, l'esprit de faveur, l'esprit, alléluia, qui ramène l'ordre divin, l'esprit qui recrée ce qui a été brisé, ce qui a été cassé, l'esprit de la restauration, l'esprit de la sainteté, l'esprit de la consécration, viens régner encore dans ma vie ce matin, viens prendre le contrôle de ma vie ce matin, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je refuse que mes pensées soient polluées. Je te prie, Saint-Esprit, ce matin, prends le contrôle. Prends le contrôle. Règne dans ma vie. Règne dans mes pensées. Règne dans mon âme. Dans le nom de Jésus. 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 Alléluia. 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 Au nom de Jésus. Bien-aimés, ceux qui reçoivent la visitation divine sont ceux qui ont la foi. Ceux qui reçoivent les miracles, bien-aimés, sont ceux qui ont la foi. Parce que la Bible déclare, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ceux qui sont agréables à Dieu sont ceux qui ont la foi. Alors tu vas prier et tu vas dire avec moi ce matin, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, baptise-moi aujourd'hui de l'esprit de foi pour le miraculeux. Baptise-moi aujourd'hui de l'esprit de foi pour le témoignage. Baptise-moi aujourd'hui de l'esprit de foi pour le miraculé. Oui, Seigneur. Oui, oui, bien-aimé. Que en fait, tu as la foi qui est en toi puisse ramener le miracle. Demande au Père ce matin de te baptiser de l'esprit de foi pour le miraculeux dans ta vie. Que les miracles viennent dans ta vie. Que l'intervention divine vienne dans ta vie. Que le surnaturel vienne dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Commence à prier avec moi. Commence à prier. Demande au Père ce matin. Mon Père, ce matin, alors que je défense l'aurore, alors que je me tiens à la porte de l'aurore ce matin, baptise-moi. Baptise-moi. Alléluia. Baptise-moi de l'esprit de foi. Baptise-moi de l'esprit de foi pour le miraculeux. Ou encore, baptise-moi de l'esprit de foi pour le miracle dans ma vie. Baptise-moi de l'esprit de foi pour la visitation divine. Baptise-moi de l'esprit de foi, alléluia, pour le surnaturel. Que je puisse vivre le surnaturel alors que nous sommes dans le mois de la visitation divine. Seigneur, que ce mois ne passe pas sans que tu me visites. Visite-moi en ce mois. Visite-moi en ce mois. Visite-moi en ce mois du surnaturel. Visite mon foyer. Visite ma maison. Visite mes enfants. Visite ma vie dans le nom de Jésus. Mon Père, baptise-moi ce matin. Baptise-moi ce matin. Baptise-moi aujourd'hui de l'esprit de foi. De l'esprit de foi pour le miracle. De l'esprit de foi pour le témoignage. De l'esprit de foi pour le surnaturel. De l'esprit de foi, baptise-moi pour le témoignage dans le nom de Jésus. Baptise-moi de l'esprit de foi. Que je puisse manifester la foi qui déplace les montagnes, la foi qui ramène le miracle, la foi qui ramène la guérison, la foi qui ramène des choses qui n'existent pas à l'existence, la foi qui ramène le miraculeux, la foi qui ouvre le ciel dans le nom de Jésus. Mon Père, baptise-moi ce matin.
baptise-moi aujourd'hui de l'esprit de foi. Je reconnais ce matin que des fois, Seigneur, je perds la foi. Je reconnais ce matin que des fois, ma foi est une foi en dents de scie. Je reconnais ce matin que des fois, je baisse les bras. Je reconnais ce matin que des fois, je suis tellement découragé. Je reconnais ce matin que ma foi n'est pas stable. Alors je te prie, mon Père, baptise-moi de l'esprit de foi. Baptise-moi, accorde-moi la grâce de manifester cette foi qui déplace les montagnes, cette foi, Seigneur, ô Dieu, qui ouvre le ciel, cette foi qui fait pleuvoir la pluie de faveur, cette foi, Seigneur, qui ramène le miracle, cette foi, Seigneur, qui ramène la guérison, cette foi, Seigneur, qui ramène, Seigneur, le miracle, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Bien-aimé, tu as besoin de l'esprit de foi dans ta vie. Tu as besoin de l'esprit de foi. Tu as besoin de ce baptême. Car beaucoup font des prières, mais les prières restent stériles à cause du manque de foi, à cause du découragement, à cause, bien-aimé, de l'ennemi qui ramène le découragement. Alors demande au Père de te baptiser de l'esprit de foi, de l'esprit de foi, la foi pour le miracle, la foi pour le surnaturel, la foi pour la visitation divine, la foi pour le témoignage, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, baptise-moi de l'esprit de foi pour le miraculeux. Au nom de Jésus, que le miracle soit mon partage. Que le miracle suive ma vie. Que le miracle soit, Seigneur, la manifestation dans ma vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, tu as besoin de la visitation divine dans ta vie. Alors tu vas dire avec moi ce matin, « Oh mon Dieu !» Oh mon Dieu, toi qui réponds par le feu, alléluia, toi qui réponds par le feu, que ton feu descende aujourd'hui dans ma vie, que ton feu descende aujourd'hui dans ma vie, que ton feu descende aujourd'hui dans ma vie et fasse la différence, que ton feu descende ce jour sur moi et fasse la différence dans le nom de Jésus. Bien-aimé, le feu de Dieu fait toujours la différence. Le feu de Dieu fait toujours la différence. Quand Dieu te visite, il ramène son feu. Et son feu fait toujours la différence. Alors, reconnais qu'il est le Dieu qui répond par le feu. Il est le Dieu d'Élie qui répond par le feu. Commence à dire avec moi, mon Dieu, mon Père, mon Roi, toi qui réponds par le feu, toi qui réponds par le feu, que ton feu descende aujourd'hui sur moi, efface la différence au nom de Jésus. Que ton feu descende aujourd'hui dans ma maison, efface la différence au nom puissant de Jésus. Que ton feu descende ce jour dans ma situation, efface la différence au nom de Jésus. Que ton feu descende ce jour dans ma vie, efface la différence au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, toi qui réponds par le feu, oh mon Père, en cette journée, réponds-moi par le feu. Toi qui réponds par le feu, oh Dieu, toi qui es le Dieu d'Élie, toi qui réponds par le feu, toi qui réponds par le feu, toi qui réponds par le feu, en cette journée, réponds par le feu, réponds par le feu, visite-moi par le feu et que ton feu descende sur moi, que ton feu descende sur ma maison, que ton feu descende dans ma situation, que ton feu descende sur moi et fasse la différence dans ma vie, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, que ton feu descende sur moi et fasse la différence. Bien-aimé, appelle le feu de Dieu. Tu as besoin du feu de Dieu dans ta journée. Tu as besoin du feu de Dieu, bien-aimé, dans ta situation. Tu as besoin du feu de Dieu dans ton cas. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, toi qui descends, toi qui réponds par le feu, toi qui réponds par le feu, que ton feu descende aujourd'hui sur moi, que ton feu descende aujourd'hui sur ma maison, que ton feu descende aujourd'hui sur ma situation, que ton feu descende aujourd'hui sur mon problème, que ton feu descende aujourd'hui et fasse la différence, que ton feu fasse la différence dans ma vie ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ, que ton feu fasse la différence dans ma situation aujourd'hui, au nom puissant de Jésus, que ton feu fasse la différence dans ma situation. Dans le nom puissant de Jésus, 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 dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. 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 Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, notre Dieu est celui qui a la capacité d'élever, il est aussi celui qui a la capacité d'abaisser. Alléluia. Il a la capacité d'élever un homme. Il a aussi la capacité de rabaisser un homme. Il a la capacité de t'élever plus haut. Il a aussi la capacité d'abaisser. Alléluia. Il élève les humbles et il abaisse les orgueilleux. Il élève les humbles, bien-aimés, et il rabaisse au plus bas les orgueilleux. Alors tu vas prier. Tu vas prier.
au nom de Jésus. Tu vas prier avec moi ce matin et tu vas dire alléluia. Tu vas dire oh Dieu, toi qui élèves, alléluia. Toi qui élèves les hommes et toi qui rabaisse les hommes. Toi qui élèves ceux qui sont en train de se noyer. Voilà, on va le dire comme ça. Oh mon Dieu, toi qui élèves les hommes, toi qui élèves plutôt ceux qui sont en train de se noyer. Comprenez-moi très bien. Quand je dis ceux qui sont en train de se noyer, c'est-à-dire quand la situation essaie de te noyer. Quand le problème arrive jusqu'à ton cou. Quand tu vis une situation tellement difficile que tu es comme quelqu'un qui est en train de te noyer. Alléluia. Tu vas dire, oh Dieu, toi qui élèves ceux qui sont en train de se noyer. Toi qui élèves ceux qui sont en train d'être asphyxiés par la situation. Toi qui élèves ceux qui sont en train de se noyer, Seigneur. Tu vas dire, fais-moi sortir de la boue. Alléluia. Fais-moi sortir de la boue. Fais-moi sortir de ce problème. Fais-moi sortir de cette situation et établis-moi sur le roc. Établis-moi sur le rocher qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mon Dieu, mon Père, toi qui élèves ceux qui se noient. Toi qui élèves, alléluia. Toi qui délivres ceux qui se noient. Toi qui relèves ceux qui sont en train de se plonger plus bas que terre. Toi qui délivres ceux qui sont en train de se noyer. Toi qui délivres ceux qui sont en train de tomber. Toi qui délivres ceux qui sont en train, Seigneur, de perdre la force. Fais-moi sortir de la boue. Fais-moi sortir de la boue ce matin et établis-moi sur le roc qui est Jésus-Christ de Nazareth. Fais-moi sortir de la boue ce matin et établis-moi sur le roc dans le nom de Jésus. Établis-moi sur le roc dans le nom de Jésus. Mon Père, mon Dieu, mon Roi, toi qui élèves ceux qui se noient, toi qui délivres ceux qui se noient, toi qui, Seigneur, élèves ceux qui sont en train d'être tirés plus bas que terre, ceux qui sont en train d'être, Seigneur, enterrés par l'ennemi, toi qui les élèves, toi qui les délivres, toi qui les restaures, je te prie, Seigneur, fais-moi sortir de la boue, fais-moi sortir de cette situation, fais-moi sortir de ce problème, fais-moi sortir, Seigneur, au Dieu de gloire, de cette situation et établis-moi sur le roc dans le nom de Jésus. Établis-moi sur le roc dans le nom de Jésus. Établis-moi sur le roc dans le nom de Jésus. Établis-moi sur le roc dans le nom de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier avec moi ce matin. Tu vas prier avec moi ce matin. Alléluia. Alors tu vas dire avec moi ce matin. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Toi qui gouvernes le monde entier avec une justice parfaite. Alléluia. Mon Père, toi qui gouvernes le monde entier avec une justice parfaite, lève-toi aujourd'hui et règle mon cas au nom de Jésus. Lève-toi aujourd'hui, visite-moi et règle mon cas dans le nom de Jésus. Mon Père, mon Père, mon Père, mon Dieu, mon Père, mon Roi, toi qui gouvernes le monde entier avec une justice parfaite. Bien-aimé, reconnais que Dieu gouverne le monde entier avec une justice parfaite. Il est le Dieu juste. Alléluia. Il est le Dieu juste. Il gouverne le monde avec une justice parfaite. Alors c'est lui qui va se lever aujourd'hui, celui qui va se lever ce matin afin de régler ton cas. Lève-toi ce matin, lève-toi aujourd'hui et règle mon cas dans le nom de Jésus. Lève-toi aujourd'hui, Seigneur, et règle ma situation au nom de Jésus. Lève-toi aujourd'hui et fais-moi du bien au nom de Jésus. Lève-toi aujourd'hui et visite-moi au nom de Jésus. Oh Dieu, je te prie, Seigneur, je te prie, Seigneur, toi qui gouvernes le monde entier dans une justice parfaite, toi qui gouvernes le monde entier avec justice, avec équité, toi qui gouvernes le monde entier avec une justice parfaite, je te prie, mon Père, lève-toi ce matin, lève-toi aujourd'hui et règle mon cas dans le nom de Jésus, règle mon cas dans le nom de Jésus, règle ma situation dans le nom de Jésus, règle mon problème dans le nom de Jésus, visite-moi, Seigneur, visite-moi, Seigneur, visite-moi, Seigneur, règle ma situation dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, aujourd'hui, Seigneur, règle mon cas aujourd'hui, règle mon cas aujourd'hui, règle mon cas aujourd'hui, règle ma situation aujourd'hui, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, car tu es l'Éternel qui gouverne le monde entier avec une justice parfaite. Car tu es l'Éternel qui gouverne le monde entier avec une justice parfaite. Oh, viens régler mon cas. Règle le cas de mon foyer. Règle le cas de mon couple. Règle le cas de ma maison. Règle le cas de mes enfants. Règle le cas de ma santé. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Règle le cas de ma famille. Dans le nom puissant de Jésus. Toi qui règnes, toi qui règnes, toi qui gouvernes le monde entier dans une justice parfaite. Je te prie, je te prie, je te prie. Lève-toi aujourd'hui, visite-moi, règle
mon cas dans le nom de Jésus. Lève-toi aujourd'hui, visite-moi et règle mon cas au nom puissant de Jésus. 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 Règle mon cas, Seigneur. Règle mon cas dans le nom de Jésus. 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 Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta visitation divine. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta faveur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Bien-aimé, David dit ceci. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Alléluia. Alors tu vas dire encore ce matin, mon Père, visite-moi ce matin. Visite ma vie ce matin. Visite ma maison ce matin. Et accorde-moi tout ce qui manque à ma vie. Accorde-moi tout ce qui manque à ma vie. Tout ce qui manque à ma percée. Tout ce qui manque à mon progrès. Accorde-moi tout ce qui manque à ma santé. Accorde-moi tout ce qui manque à ma vie spirituelle. Accorde-moi tout ce qui manque, car tu es celui qui visite la terre et qui ramène l'abondance, qui la comble de l'abondance. Je te prie, Seigneur, oui, visite-moi, visite-moi, visite-moi. Demande la visitation de Dieu. Demande la visitation de Dieu dans ta vie, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Demande la visitation de Dieu. Alléluia, qu'il te comble d'abondance, qu'il te donne tout ce qui manque à ta vie, tout ce qui manque, bien-aimé, à ta maison, tout ce qui manque, que l'Éternel te donne cela. S'il visite la terre et qu'il la comble d'abondance, à combien plus forte raison, toi qui es créé à son image, toi qui es créé à son image, toi qui es un enfant de Dieu, commence à prier, mon Père, visite-moi ce jour, visite-moi en ce matin. Visite-moi en cette journée, visite-moi et accorde-moi tout ce qui manque dans ma vie, tout ce qui manque dans les domaines de ma vie, que tu m'accordes cela, Seigneur. Comble les besoins de mon cœur, mes besoins connus et mes besoins inconnus, car c'est toi qui connais le meilleur qui est bon pour moi. Tu connais mieux que moi-même ce qui est bon pour moi. Comble-moi, accorde-moi ce qui manque à ma vie. Accorde-moi ce qui manque à ma percée. Accorde-moi ce qui manque à mon progrès. Accorde-moi ce qui manque à ma paix. Accorde-moi, Seigneur, ce qui manque à ma santé. Dans le nom de Jésus. 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 Gloire à Dieu. Visite-moi en cette journée. Visite-moi ce matin. Visite-moi, Seigneur, et fais-moi du bien. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons faire la prière de traitement. Dis avec moi, prière de traitement. Prière de traitement. Prière de traitement. Alléluia. Dis avec moi, prière de traitement. Gloire à Dieu. Prière de traitement. Alléluia, alléluia. Prière de traitement. Prière de traitement. Nous passons à la prière de traitement pour notre journée. Entre-temps, aimons la vidéo. Aimez la vidéo, s'il vous plaît. Nous sommes très nombreux. Aimons la vidéo. Gloire à Dieu. Et nous passons à la prière de traitement pour la journée. Alléluia. Prière de traitement, prière de... La prière de traitement, bien-aimé, est tout simplement une prière où nous traitons notre journée. Nous commandons à la journée. Amen. Nous prenons la domination sur la journée. Nous ordonnons à la journée. Nous ordonnons dans le nom de Jésus, à ce que la journée puisse enfanter des belles choses. À ce que la journée puisse enfanter des bonnes choses. Car nous savons que la nuit conçoit et le jour enfante. Alléluia. Et le jour enfante. Job dit, qui sait ce qu'un jour peut enfanter? Le jour ramène, bien-aimé, quelque chose. Le jour, quand une journée se lève, la journée a des entrailles. Et dans les entrailles de la journée, il y a des bonnes choses que Dieu a prévues. Il y a aussi des mauvaises choses que le diable a prévues. Mais pour toi, bien-aimé, que cette journée puisse enfanter des bonnes choses. Que cette journée puisse enfanter des belles choses. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, tu vas prier avec moi ce matin. Prière de traitement, prière de traitement. Entre-temps, on aime la vidéo. Alléluia. Alors, tu vas prier avec moi, tu vas dire. Tu vas déclarer ce matin. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Je déclare qu'elle est pour moi un sujet de joie.
Alors c'est toi-même qui vas nommer ta journée. C'est toi-même qui vas dire ce que ta journée est. Alléluia. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Je déclare qu'elle est pour moi un sujet de joie, un sujet de bonne nouvelle, un sujet de miracle, un sujet de visitation divine, un sujet de faveur, selon que le Saint-Esprit va t'inspirer. Commence à prier avec moi. Déclare ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare ce matin, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Et je déclare qu'elle est pour moi un sujet de joie. Je déclare qu'elle est pour moi un sujet de faveur. Je déclare qu'elle est pour moi un sujet de bonne nouvelle, dans le nom de Jésus. Je déclare qu'elle est pour moi un sujet de miracle, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je déclare qu'elle est pour moi un sujet de faveur, un sujet de bonne nouvelle, un sujet de grâce, dans le nom puissant de Jésus. Un sujet de bonheur, au nom de Jésus. Car c'est ici la journée que l'Éternel a faite, dans le nom de Jésus. Elle est pour moi un sujet de joie, un sujet de bonne nouvelle, un sujet de faveur, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu vas encore prier et tu vas déclarer pour ta journée. Tu vas dire avec moi, au nom puissant de Jésus, je déclare qu'en cette journée, toute fosse qu'on a creusée contre moi, toute fosse qu'on a creusée contre moi devient la tombe, alléluia, de celui qui l'a creusée dans le nom de Jésus. Je déclare ce matin, alors que je dévance l'aurore, je déclare qu'en cette journée, toute fosse qui a été creusée contre moi, bien-aimé, tout trou, toute fosse qu'on a creusée contre toi, que cela devienne la tombe de celui qui l'a creusée, dans le nom de Jésus. Que cela devienne la tombe de celui qui l'a creusée, dans le nom de Jésus. Je déclare ce matin que toute fosse qui a été préparée contre moi, toute fosse qui a été creusée contre moi, contre mes enfants, contre ma famille, contre ma destinée, contre ma maison, devient la tombe de celui qui l'a creusée, dans le nom puissant de Jésus. Deviens la tombe de celui qui l'a creusée dans le nom de Jésus. Déclare cela ce matin et que le ciel t'entende et que le soleil t'entende et que la terre t'entende dans le nom de Jésus. Bien-aimé, n'oublie pas que la prière est une activité hautement spirituelle. La prière n'est pas une blague. Alléluia, la prière n'est pas quelque chose qu'on fait juste pour la faire. Non, la prière est une activité spirituelle qui transforme les choses. La prière est une activité spirituelle, bien-aimé, qui impacte dans le monde spirituel, qui impacte, bien-aimé, qui touche même les sphères, les sphères spirituelles, les sphères terrestres, les sphères, les profondeurs de la terre, qui touche le monde spirituel. Alors déclare au nom de Jésus, toute fosse qui a été creusée contre moi en cette journée se change maintenant en tombe pour celui qui l'a creusée dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier, tu vas dire encore, alléluia, très cher Saint-Esprit, en ce jour, alléluia, en ce jour, en ce jour. Non, tu vas le dire autrement, je vais le changer, je vais le changer, on va le dire autrement. Tu vas dire, très cher Saint-Esprit, que ce jour, alléluia, que ce jour soit mon rendez-vous pour expérimenter des nouvelles dimensions au nom de Jésus. Pour expérimenter des nouvelles dimensions du don spirituel que Dieu m'a donné. D'expérimenter des nouvelles relations. D'expérimenter des nouveaux témoignages. D'expérimenter, alléluia, des nouvelles faveurs dans le nom de Jésus. Très cher Saint-Esprit, que ce jour soit mon rendez-vous pour expérimenter des nouvelles dimensions ou encore une nouvelle dimension du don spirituel que Dieu m'a donné, du don spirituel que Dieu m'a donné, du don spirituel que Dieu m'a donné, que ce jour soit mon rendez-vous. Alléluia, pour expérimenter une nouvelle dimension dans mes relations, une nouvelle dimension, alléluia, du miracle dans ma vie, une nouvelle dimension du surnaturel dans ma vie, une nouvelle dimension de faveur dans ma vie, une nouvelle dimension de grâce dans ma vie, une nouvelle dimension du toucher de Dieu dans ma vie, dans le nom de Jésus. Tu vas prier, bien-aimé, selon que les mots que le Saint-Esprit te donne, moi je te donne juste un petit canevas, je te donne juste une direction, mais tu t'exprimes avec ton cœur. Demande au Saint-Esprit que cette journée soit un rendez-vous spécial pour toi, dans le nom de Jésus. Très cher Saint-Esprit, que ce jour soit mon rendez-vous pour expérimenter une faveur, pour expérimenter une grâce spéciale, pour expérimenter la visitation divine, pour expérimenter quelque chose de nouveau, pour expérimenter le surnaturel divin, pour expérimenter le miracle. Dans le nom de Jésus, je déclare
oh, en cette journée, que ce jour est mon rendez-vous, que ce jour est mon rendez-vous, ce jour est mon rendez-vous pour expérimenter une nouvelle dimension dans mes relations, pour expérimenter une nouvelle dimension dans mon foyer, pour expérimenter une nouvelle dimension dans mon travail, pour expérimenter une nouvelle dimension dans ma vie, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans les dons spirituels que Dieu m'a donnés, que je puisse expérimenter une nouvelle dimension. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Tu vas dire encore avec moi, très cher Saint-Esprit, que ce jour, alléluia, que ce jour, que ce jour, ou encore plutôt quand ce jour, je sois visible là où on m'a exclu hier. Quand ce jour, je sois visible là où on m'a exclu hier, dans le nom de Jésus. Très cher Saint-Esprit, oh, quand ce jour, je sois visible là où on m'a exclu hier, que je sois visible là où on m'a chassé hier, que je sois visible là où on n'avait pas voulu me prendre hier, dans le nom de Jésus. Quand ce jour, je sois visible, visible pour le miracle, visible pour la grâce, visible pour la faveur, visible pour le surnaturel, visible pour la visitation divine, visible pour les anges, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Très cher Saint-Esprit, quand ce jour, je sois visible, que je sois visible là où on m'a exclu hier, là où on m'a fermé la porte hier, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Oh, très cher Saint-Esprit, quand ce jour, je sois visible là où on m'a exclu hier, là où on m'a exclu hier, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, prie, oui, qu'en cette journée, tu sois visible là où on t'a exclu hier, là où on t'a chassé hier, là où on t'a dénigré hier, là où on n'a pas voulu te prendre hier, que tu sois visible aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Que tu sois visible aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. 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 Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu vas faire des affirmations, tu vas faire des déclarations de foi ce matin. Tu vas déclarer, tu es dans la prière de traitement. Tu vas déclarer avec moi ce matin, tu vas dire au nom puissant de Jésus, je déclare qu'en cette journée, l'abondance me cherche. L'abondance me cherche, le miracle me cherche, alléluia. La grâce me cherche, la visitation me cherche, le discernement me cherche, dans le nom puissant de Jésus. Je déclare qu'en cette journée, la bénédiction me cherche, la bénédiction me poursuit, la faveur me poursuit, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Déclare, bien-aimé, pour ta journée, je déclare qu'en cette journée, au nom puissant de Jésus, alléluia, que la faveur me cherche, que l'abondance me cherche, que le bonheur me cherche, que la prospérité me cherche, dans le nom puissant de Jésus, que la bonne nouvelle me cherche, que le témoignage me cherche, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je déclare qu'en cette journée, la percée me cherche, la prospérité me cherche, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, le succès me cherche, au nom puissant de Jésus, la réussite me cherche, dans le nom de Jésus, la victoire me cherche, dans le nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Déclare cela ce matin, déclare cela ce matin, déclare qu'en cette journée, la percée te cherche, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Déclare bien-aimé, dans le nom de Jésus, déclare qu'en cette journée, la percée te cherche, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Déclare en cette journée, déclare, je déclare qu'en ce jour, la percée me cherche, le miracle me cherche, alléluia, la guérison me cherche, la guérison me veut. Dans le nom puissant de Jésus, le mariage me cherche. Dans le nom puissant de Jésus, le travail me cherche. Déclare avec la foi. Déclare avec la foi dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu vas encore déclarer. Au nom puissant de Jésus, je déclare qu'en cette journée, je suis en bonne santé. Alléluia. Je déclare qu'en cette journée, je suis en bonne santé. Je suis en paix avec mon entourage dans le nom de Jésus. Je suis en bonne santé. Je suis en paix avec mon entourage. Je suis en paix avec mon époux. Je suis en paix avec mon épouse. Je suis en paix avec mes enfants. Je suis en paix avec mes collègues au travail dans le nom puissant de Jésus. Je déclare qu'en cette journée, je suis en paix avec mon entourage dans le nom de Jésus.
dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je le déclare avec la foi, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, bien-aimé, déclare que tu es en paix. Déclare que tu es en paix en cette journée. Déclare que tu es en bonne santé, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je suis en bonne santé. Je suis en bonne santé en cette journée, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Bien-aimé, dans ta vie de tous les jours, tu dois être ambitieux. Tu dois être ambitieux et motivé. Tu dois réussir. Alléluia. Tu dois travailler. Jésus dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Tu dois manifester un travail. Tu dois être dynamique. Alléluia. Tu dois être dynamique. La procrastination ne doit pas être ton partage. Alors tu vas encore prier, toujours en train de traiter ta journée. Tu déclares avec moi, au nom puissant de Jésus, je déclare qu'en cette journée, je suis très ambitieux. Alléluia. Je suis très ambitieux. Je suis très motivé et je réussis dans le nom de Jésus. Parce que mon Père agit, alors moi aussi j'agis dans le nom de Jésus. Parce que l'onction du Saint-Esprit est sur moi, je déclare que je ne procrastine pas dans le nom de Jésus. Tout ce que j'ai décidé de faire dans ma journée, je vais les accomplir au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je déclare qu'en cette journée, je suis très ambitieux, je suis très motivé, je réussis au nom de Jésus. Ce que j'ai prévu de faire dans ma journée, je l'accomplis dans le nom de Jésus. Car la Bible déclare, ce que Dieu dit, sa main l'accomplit. Ah, que ce que je pense, je puisse l'accomplir. Que ce que je dis, je puisse l'accomplir. Dans le nom de Jésus, bien-aimé, déclare. Parce que le diable peut bloquer que tu ne puisses pas accomplir ce que tu as prévu dans ta journée. Il peut vouloir te bloquer. Il peut vouloir amener la procrastination. Il peut te bloquer, tu n'avances pas. Déclare, bien-aimé, ce que j'ai décidé de faire, je l'accomplis. Dans le nom de Jésus. Ce que je pense faire, ma main va l'accomplir. Dans le nom puissant de Jésus. Je déclare ce matin que ce que j'ai prévu de faire, je l'accomplis dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Je suis très ambitieux, je suis très motivé au nom puissant de Jésus. Je fais très bien mon travail au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia, dans le nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus. Je déclare en cette journée que je suis béni et je suis une bénédiction pour les autres. Est-ce que tu peux le déclarer avec moi? Au nom puissant de Jésus. Je déclare qu'en cette journée, je suis béni et je suis une bénédiction pour les autres. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je déclare qu'en ce jour, je suis béni et je suis une bénédiction pour les autres. Je suis une bénédiction pour mon entourage. Je suis une bénédiction pour quelqu'un qui ne me connaît pas. Je suis une bénédiction dans le nom de Jésus. Je suis béni et je suis une bénédiction pour les autres. Je suis hautement favorisé et je suis une faveur pour les autres dans le nom de Jésus. 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 Je déclare qu'en cette journée, je me tiens éloigné du péché et j'accomplis la justice de Dieu. Dans le nom de Jésus. Je déclare qu'en cette journée, je me tiens éloigné du péché. Je protège mes pensées du péché et j'accomplis la justice de Dieu. J'accomplis la volonté de Dieu. Je marche dans la volonté de Dieu. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je me tiens éloigné du péché. Je me tiens éloigné des mauvaises pensées. Je me tiens éloigné des soupçons. Je me tiens éloigné des mauvaises pensées. Je me tiens éloigné des pensées de Satan. Je me tiens éloigné du diable. Je me tiens éloigné des démons et j'accomplis la justice de Dieu dans le nom de Jésus. 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 En cette journée, je suis parfumé de la faveur de Dieu. Je suis parfumé de la faveur de Dieu. De la tête à la plante de mes pieds, la faveur de Dieu me parfume. Au nom de Jésus, la faveur de Dieu me parfume au nom de Jésus et j'ai la faveur partout où je vais en cette journée. La faveur me suit partout où je vais. La faveur m'accompagne partout où je vais dans le nom de Jésus. Je suis parfumé de la faveur de Christ. Je suis parfumé de la faveur céleste. Je suis parfumé de la faveur de Dieu dans le nom de Jésus. Alléluia. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Oui, déclare que tu es favorisé en cette journée. Tu es parfumé de la faveur
partout où tu vas aller, la faveur va te suivre. Les hommes vont te faire du bien à cause de la faveur de Christ sur toi, à cause de l'odeur du parfum de la faveur, à cause de l'odeur du parfum de la faveur. Je déclare que les hommes vont te faire du bien en cette journée, à cause de l'odeur du parfum de la faveur. La faveur va te suivre partout où tu vas aller en cette journée. Le bonheur va te suivre partout où tu vas aller en cette journée. La sainteté va te suivre partout où tu vas aller en cette journée, dans le nom de Jésus. La consécration va te suivre partout où tu vas aller en cette journée, dans le nom de Jésus. En cette journée, tu ne perdras pas de vue le retour de Jésus. Tu protégeras ton cœur, tu protégeras ton âme, tu garderas ton cœur contre les infiltrations de Satan, contre les mauvaises pensées de Satan, dans le nom de Jésus. Et je déclare que la visitation divine est ton partage en cette journée, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors bien-aimé, si tu es béni, commence à aimer la vidéo. Nous sommes arrivés à la fin. Si tu es béni, aime la vidéo. Aime la vidéo. Aime tout simplement la vidéo. Donne une offrande. Que le Seigneur vous bénisse. Vous tous qui avez donné vos offrandes ce matin, que le Seigneur vous fasse du bien. Aimons la vidéo et je vais prier pour la fin. Ne partez pas. Je prie pour la fin car la Bible déclare la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Tu peux commencer, mais c'est la fin qui compte. Alléluia. Tu peux commencer quelque chose, mais Dieu voit à la fin. Est-ce que tu as commencé et tu as terminé? Alors, je vais prier pour vous. Tendre Père, merci pour ce temps de prière. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ton amour. Merci pour l'exaucement, Seigneur. Merci d'avoir exaucé, Seigneur, au Dieu de gloire, tes enfants. Merci, toi qui écoutes les prières. Oh, nous sommes venus à toi et tu as exaucé, Seigneur, nos requêtes. Nous te disons merci. Je te prie de bénir ton peuple en cette journée. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur étende sa main sur vous en cette journée dans le nom de Jésus. Bénis ton peuple, Seigneur. Je te prie de consoler, Seigneur, ceux qui sont éprouvés. Je te prie de consoler, Seigneur, au Dieu de gloire, ceux qui, Seigneur, ont des problèmes dans les familles. Je te prie, Seigneur, de ramener ta bénédiction dans la vie de ceux qui ont besoin de bénédiction. Je te prie d'ouvrir les portes dans la vie de ceux qui ont des portes fermées dans leur vie, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Seigneur, je te prie de le faire. Agis encore, fais du bien à tes enfants en cette journée. Que le Seigneur vous bénisse, que l'ange de l'Éternel puisse camper autour de vous en cette journée, afin de vous arracher de tout danger, dans le nom de Jésus. Que le sang de Jésus aplanisse vos chemins en cette journée, au nom puissant de Jésus, et que vos cœurs soient gardés fidèles à l'Éternel, au nom puissant de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, au nom de Jésus-Christ. On se retrouve donc ce soir pour à 18h pour notre culte d'enseignement et de prière. Soyez bénis. Toi qui aimes la vidéo, que le Seigneur te bénisse. Toi qui as donné l'offrande, que le Seigneur te bénisse. Toi qui as partagé, que le Seigneur te bénisse. Soyez bénis. Si c'est pour vous la première fois d'être connecté sur la tour de prière Summer, s'il vous plaît, ne partez pas si vite. Cliquez juste sur s'abonner et sur la cloche des notifications. Cliquez juste sur s'abonner, sur la cloche des notifications. Vous pouvez aussi devenir membre de la tour de prière Summer. Vous pouvez devenir membre de la tour de prière Summer. Bien-aimé, en cliquant juste rejoindre. Alléluia. Cliquez juste rejoindre et cela vous permettra d'être membre de la tour de prière Summer. Membre de soutien. Vous pouvez prendre un abonnement qui va aider la chaîne. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, j'aimerais aussi demander à tous ceux qui suivent la tour de prière Summer, mais qui ne sont toujours pas abonnés jusqu'aujourd'hui. Abonnez-vous. Ne suis pas seulement comme ça, tu ne t'abonnes pas, après tu cherches les liens sur Facebook, tu ne trouves pas. Abonnez-vous, ça sera plus simple. Quand vous êtes abonné, vous allez suivre facilement tous les programmes de la tour de prière Summer. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous disons merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Soyez tous bénis, soyez tous bénis, soyez tous bénis. Que le Seigneur vous fasse du bien. Et on se retrouve ce soir à partir de 18h. Pour notre culte de prière, notre culte d'enseignement. Soyez bénis et fortifiés. Je vous dis donc à très très bientôt, à très très bientôt. Ciao, 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 ciao. Gloire à Dieu. Comme toi, ô Éternel, magnifique en sainteté, digne de louange et opérant des prodiges, personne, tu es le seul, l'unique, le véritable Dieu.
le roi m'a... C'est toi le Dieu de mes batailles.
cœur rempli de compassion et d'amour. Aïe, Jésus est bon, il est bon, aïe, il est bon, aïe. Il est bon, Jésus, Jésus, Jésus est, il est bon, il est bon.
abonnez-vous à notre chaîne YouTube Tour de prière Semeur pour plus d'édification. Que Dieu vous bénisse.